c'est vraiment beaucoup d'émotion hein, pour moi de recevoir ce prix. Et puis je pense que c'est aussi une victoire pour la Martinique aussi, tout simplement, parce que voilà, venant de cette île, pour moi c'est une grande fierté de représenter en fait aussi la Martinique. Et c'est pourquoi j'ai envie de célébrer tout ça aussi, voilà, lors d'un magnifique concert qu'on va donner le 30 mai au Grand Carbet du Parc Aimé Césaire. Le chant, c'est venu progressivement. Le piano, effectivement, c'est quelque chose que j'ai travaillé pendant voilà, plus d'une vingtaine d'années. Mais le chant aussi, c'était comme si je travaillais un nouvel instrument. Et moi, ça me passionne, en fait, quelque part. Moi, je me sens vraiment comme un gamin qui découvre quelque chose d'autre. Donc, voilà, le chant, c'est, voilà, j'ai beaucoup travaillé aussi avec des coachs. Et voilà, pour être à même de délivrer quelque chose, en tout cas, de rester connecté à moi-même sur scène. Le piano aujourd'hui me sert effectivement à m'accompagner en tant que chanteur, mais c'est vrai qu'il reste très présent en fait dans ma musique parce que je suis avant tout un improvisateur. Donc voilà, c'est tout ce mélange qui crée aujourd'hui ce que nous allons proposer le 30 mai au Grand Carbet, voilà, lors de ce concert, voilà, pour le Phoenix Tour. La création de mon label, voilà, c'est aussi un besoin de liberté que j'avais en tant qu'artiste. Je pense que tout artiste a besoin d'être libre pour créer. Après, c'est vrai que je tiens effectivement à rester vraiment entouré. En fait, j'ai vraiment une distribution, voilà, au niveau de la presse, voilà, la production, comme je disais, j'ai ces productions. Donc, c'est un outil pour moi de pouvoir créer, avoir ce label. Mais en tout cas, pour moi, en tant qu'artiste, c'est important d'être entouré.